Eh bien salut à tous, c'est Schizopharf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2017. Donc bien sûr, j'ai branché le volant. Alors le volant est calibré bizarrement, c'est pas tout le complet. Pourquoi il était calibré comme ça? Oh là là. Et mon volant il est comme ça en fait, pour aller droit. Il est pas complet, pourquoi? Peut-être un mauvais calibrage au démarrage. Mais bon, c'est sympathique de se retrouver quand même sur Farming avec le volant. Même si je trouve pas ça. Je veux dire, vous voyez, je suis en train de bouger le volant. Je crois qu'il y a 2-3 réglages à faire. Hein. Je suis pas encore bien correctement. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va aller voir la mine 2. Donc je suis parti monter mon transborder. Qui va me servir, bien sûr, pour la mine 2. Hop. Laisse-moi passer, toi. Alors, j'espère que vous allez tous bien. C'est le bordel, hein. Et je conduis tous les jours au volant, tous les jours. Mais pourquoi là, j'y arrive pas? Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, justement, la sensibilité est pas comme je voudrais. C'est pas aussi souple que ça voudrait, vous voyez. Quand même que je fasse un sacré tour pour revenir. Et c'est quand même sympathique quand on a beaucoup de route à faire. On se fera un petit Euro Truck aussi. J'essaierai de tourner une petite vidéo sur Euro Truck histoire de se marrer au volant, d'aller tourner un peu vite fait. Faut bien profiter du volant. Hein. Donc aujourd'hui, nous allons voir la production de la mine 2 qui est là. Hein, bien sûr, je me suis gouré. Alors je vais jouer autant au clavier que au volant. Hein. Donc volant pour la conduite et clavier pour tout ce qui va être manipulation, hein, clavier souris pour les manips, parce que j'ai pas encore bien configuré le volant, du coup j'ai pas tout ce qu'il faut dessus. Mais vous rendez compte qu'avec le volant je conduis beaucoup mieux que quand je conduis au clavier. C'est quand même un net avantage. Allez, hop, Sésame, ouvre-toi. Voilà. On va passer ça, la petite balance. Tiac. Et nous pesons 16 tonnes, ça va. Déjà, il faut le permis poids lourd pour conduire ça. Allez, on va décharger, bien sûr. Notre petit transborder ici. Donc, à la mine 2, bien sûr, on aura. Oh, c'est bon. Voilà. Alors, à la mine 2, on aura, bien sûr, du sol, du tiling. Allez, si je laisse le truc comme ça, ça va pas le faire. Voilà, du sol, du tiling, du sand, du gravel, de l'iron. Alors l'iron, bien sûr, c'est le fer, c'est la production. Donc on va voir qu'on a une petite usine de production sur le côté. Hein. Donc l'iron est là, en fait, il se fait automatiquement, gentiment, quand vous avez rempli, bien sûr, derrière là, les matières premières, comme on a fait sur le premier épisode. Donc là, on a un petit stockage gravel, sand, tiling et iron. D'ailleurs, je tiendrai à dire merci à pas mal de gens qui ont mis des liens de stockage, des liens de mod et tout ça, qui ils ont bien joué le jeu. Ça fait plaisir, continuez. Si vous avez des petits modes travaux qui sont assez sympathiques, je vous conseille de continuer, ça me ferait énormément plaisir. Donc bien sûr, on a de l'iron, qu'il faut vider là-dedans, le fuel, le coal, le limestone et le steel. Donc voilà pour la production numéro 1, enfin numéro 2 pardon, la production numéro 2. Et ça va nous donner des petites barres de fer. Donc ici il va falloir bien sûr venir nous chercher un petit Manitou, soit un petit JCB, mais les bottes 4 pour du fer, j'ai peur que ce soit un peu léger. Donc du coup on va peut-être aller chercher vite fait un petit Manitou. Et il nous faudra une semi pour plus tard, pour pouvoir aller vider. Parce que là, bien sûr, pour le moment, je ne peux pas vider, je ne peux rien faire. Donc, on va mettre ça. Tac. Dans le coin. Comme ça, je m'embêterai plus. Oui, je sais, tu descendras pas en entier, c'est pas grave. On va te faire descendre. Tac. Voilà, t'es descendu. Voilà. Donc on va aller chercher un peu ce petit camion. Puis on va parler de 2-3 choses. Alors il faudrait que je remette ma vue correctement, parce que si je conduis de côté, ça va avoir du mal. Et on va parler de 2-3 choses sur la route. Donc en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, je sors pas beaucoup de vidéos parce que je suis pas mal occupé. Faut dire que en ce moment, j'ai repris le boulot.
Et le boulot me prend énormément de temps. Donc je vous ferai une petite vidéo sur la chaîne secondaire où j'explique un peu une journée traditionnelle de boulot quoi. Je vais pas vous filmer mon boulot parce que bien sûr j'en connais un qui serait pas content. Hein, même si au fond je m'en fous, mais il serait pas content quand même. Donc du coup je vais juste vous montrer une journée, un planning d'une journée quoi. Je veux dire le matin où je me lève, le soir quand je rentre et tout ça. Et puis vous allez voir que en fait ma journée est vite bouffée et que je peux pas faire grand chose. Et les seuls trucs que je peux faire c'est en week-end. Parce que le week-end j'ai un peu plus de temps. Alors en week-end vous allez me dire j'ai beaucoup plus de temps. Mais pour filmer ça devient un peu plus raide aussi. Parce que bien sûr il faut que, comment dire, il faut que je vous refasse de l'avance pour toute la semaine. Ce que j'ai pas fait le week-end dernier d'ailleurs. Et du coup il y a pas mal de trucs. Les actualités Warship j'ai du mal à suivre. Donc il va falloir que je le règle ce volant. Donc les actualités bien sûr il faut que j'arrive à suivre. Et ça devient un peu compliqué dans le planning. Donc je sais pas comment ça va se passer pour les prochaines vidéos. Donc pour l'instant je garde tous mes plannings comme ils sont. Mais alors si vous voyez pas de farming pendant une semaine c'est normal. C'est parce que je suis en train de le monter et que voilà ça prend un peu de temps. Que ça m'a pris pas mal de temps et que je suis emmerdé sur la prod en fait. Parce que moi-même il me manque du temps. Donc je préfère dire de faire moins de vidéos mais de meilleure qualité. Que de dire de vous faire des vidéos à la suite en série de petite durée on va dire de 4-5 minutes. Et qui vous plairont pas forcément parce que ça sera super court. J'aurais eu à peine le temps de vous montrer là-haut et redescendre pour vous dire bah voilà il faut faire comme ci comme ça quoi. Je veux dire autant essayer de faire les choses correctement et bien du premier coup. Donc vous inquiétez pas si les vidéos sont un peu plus espacées, c'est pas très très dramatique, mais c'est pas une fatalité en soi non plus. Hop. Donc, bien sûr, j'avais une petite réserve parce que je me suis douté qu'un de ces quatre, je vais en avoir besoin. On va regarder comment ça se passe avec lui normalement. Tac. Ok. Alors, j'ai. Ouais, c'est bon. On va prendre lui, on va monter là-haut. Oui, oui, oui. Elle est belle la physique, elle est belle. Tac. Et on va remonter le petit JCB là-bas. Et bien sûr, vu que j'ai qu'un plateau pour le moment, j'ai que ce plateau-là, on essaiera de se débrouiller avec ce plateau. Hein. On essaiera vraiment de se débrouiller correctement avec ce plateau et de faire le café avec. Allez, c'est parti. Je l'ai super centré, mon JCB. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se démerder avec ça. Et voilà. On est arrivé. On va décharger. Oh, appuyez sur un bouton. Voilà. Hop. Donc petit épisode, hein. petit épisode, bien sûr. Juste histoire de dire. Alors oui, faut que je fasse gaffe avec les commandes souris volant, parce que je vais me faire avoir très souvent. Alors on va enlever ça pour continuer la production, bien sûr. Si ça prend, je suis même pas sûr que ça prenne. Tac, voilà. Bon, je croyais que c'était lourd, mais en fait c'est pas si lourd que ça quoi. Donc bien sûr on va faire un petit air de stockage sur le côté. On va se mettre là, hein. Je pense que ça sera bien. Comme ça on pourra remplir la SMI. Bah la SMI après gentiment. Ah ça y est, ça a redémarré. Donc je vous en montre pas plus en pas plus en détail parce que je les avais montré sur le premier épisode si je me rappelle bien. Donc du coup bah j'ai pas besoin de vous en montrer plus là dessus mais on aura fait le tour de toutes les raffineries tout ça. Donc il manquera plus vraiment que les points de vente à voir ça bah, pour la prochaine fois quoi. Et le volant. Parce que
est bien au volant, c'est qu'on peut doser. Comment on fait? Je sais pas si je peux descendre au volant. Là c'est la vue. On va le faire à la souris, c'est pas grave. Ouais. Hop là. Donc voilà, on va sortir de là parce que le bruit est pas terrible, on va laisser le JCB ici, ça nous fera de quoi faire, de quoi charger, et bien sûr on ira voir dans le prochain épisode comment on vend tout ça. Hein. On va essayer de se démerder avant de ça. Quand on aura une bonne exploitation quoi. Parce que là il y a l'asphalte, il y a tout ça qui tourne, donc on fera un petit épisode spécial vente. Je vais vous remettre la TH pour vous dire que je suis toujours au printemps, que le sol est toujours à 3 degrés, donc je peux pas. Je peux pas encore bien sûr semer tout ça, donc vu que je peux rien faire, je suis un peu dans la misère et il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse gentiment et que ça continue gentiment à faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc les amis, merci pour ce petit épisode, hein. Tout petit, hein. Je m'habitue au volant. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine avec Schizofaf. Allez, hop. Ciao, bonsoir.